Bonjour, c'est Marion du blog Marion Rocks. Bienvenue dans mon dressing, je vais vous montrer mon style. Je pense avoir un dressing de vrai fashionista parce que chaque fois qu'on l'ouvre, on retrouve certaines pièces assez marquantes d'une saison ou d'une tendance. Donc voilà, le color block, je vais avoir des pièces un petit peu colorées, voire beaucoup, voilà. Ou des trucs fleuris, comme l'été dernier, ben voilà, j'en ai. Enfin, à chaque fois, je vais piocher dans les tendances un petit truc qui va me plaire. J'ai vraiment quasiment les deux tiers de mon placard qui sont remplis de robes. Et je mets que ça pour sortir, sinon la journée, c'est des pantalons ou des shorts. Alors voici ma robe préférée. Je l'ai trouvée à Stockholm. Dès que je ne sais pas quoi mettre pour sortir, ou en hiver, ou même en été, le fait qu'elle soit un peu décotée dans le dos, qu'elle cache un peu, mais en même temps qu'elle soit courte, voilà, ça fait que je peux la mettre avec tout, une veste en cuir, des ballerines ou des bottines un peu plus rock. Donc ça va vraiment avec tous les styles qu'on peut avoir. Alors voilà ma tenue pour aller en cours. Je porte très très souvent des pantalons, surtout en été, ce qui est assez bizarre parce qu'en hiver je suis tout le temps en robe ou en jupe, donc je mets des collants. Sauf qu'en été les collants ça tient beaucoup trop chaud, donc du coup ça va être des slims, des pantalons carottes, et voilà, toujours pour être confortable et que si je m'habille trop bien pour aller en cours, après le soir je sais plus comment m'habiller. Alors voilà ma robe pour sortir en été le soir, boire un verre en terrasse. C'est ma préférée parce que j'adore la couleur. Elle a l'air normale comme ça, mais en fait, elle est décolletée dans le dos. Donc ça reste habillé, mais discret. C'est pas non plus trop tape à l'œil, donc voilà, c'est le genre de tenue que j'aime bien, c'est détendu. J'ai une bonne partie de vêtements qui vient de Stockholm. Parce que du coup, je sais que ce que je vais acheter là-bas, je ne le retrouverai pas du tout à Paris. Et du coup, voilà, j'en profite. Et là-bas, les coupes sont un peu plus étudiées pour, au final, des prix pas forcément chers. C'est vraiment pour m'amuser que je m'habille. Donc ça dépend complètement des circonstances.